bienvenue dans ce nouvel épisode des explorations nocturnes sur la chaîne Expo Urbex officiel. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc le spot que vous allez regarder là maintenant, dans quelques instants, c'est un ancien funérarium abandonné. Donc il a été abandonné depuis 2018-2019 parce qu'on a retrouvé des papiers sur place. Donc c'est un spot qui est tout récent, entre guillemets. Je m'excuse au préalable concernant donc les vidéos qui sont relativement courtes parce que en fait les spots qu'on a fait, que vous voyez là, vous allez voir en vidéo à l'instant, ils ont été faits assez loin, donc du coup on a été extrêmement vite en une soirée, on devait tout faire. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que les spots sont assez rapides, mais vous avez quand même une vue globale du spot en général. Donc dans ce funérarium, il va y avoir avant tout donc, le funérarium, donc vous allez voir en gros la morgue, etc. Donc tout le matériel encore qui est sur place, c'est ça qui est assez hallucinant. Et vous allez voir ensuite une autre maison donc, qui fait partie du même funérarium. Donc ça devait sûrement appartenir au propriétaire, je pense. Et voilà, il y a tout à l'intérieur encore, vous allez voir dans la vidéo. Sur ce, voilà, je vous dis à très bientôt pour des nouveaux urbex. Et vous allez voir, on va s'améliorer en qualité de vidéo. Parce qu'on a investi là dans du matériel. Donc je vous laisse kiffer. À la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu. Allez, ciao. Donc là, on est dans une morgue, les gens. Comme vous pouvez voir. Matériel de la morgue. Là ici les trucs funéraires, enfin les chambres funéraires avec le labo de préparation, etc. Ah, ah ouais. Ah bah oui. Oh non. Attends, c'est pas pire, ça va voir. Oh non, attends, il faut que je filme ça. Putain, regardez. Quand ils mettaient les morts dessus, ça c'est le... Oh putain la vache mec. Oh, regarde le truc pour bénir et tout. Morgue. Oh mec. Oh non. On vous bannit. Oh non. Oh putain. Oh la vache. Viens voir. C'était que le vent. C'est top. C'est avec le vent. C'est avec le vent, bah oui. La lumière, c'était que l'éteint. Il y avait une lumière là tout à l'heure, non? Non. Ah ouais, tu m'as fait flipper. Non, non, mais il n'y a rien du tout, t'inquiète. C'est... Ah ouais, de fou là. Waouh. Wow. Bon, on l'a fini. Hein. Attends, non, il y a une partie qu'on n'a pas fait de l'autre côté. Bon, on a fait tous les côtés là. Écoute, les cartons. On a fait tout là. La partie qu'on n'a pas pu faire, c'est là et on était de l'autre côté tout à l'heure. Mais j'ai pas vu le compteur électrique parce qu'il doit avoir l'électricité là. Tu veux savoir. Et j'ai peur qu'il y aura l'alarme. Est-ce qu'il y aura vraiment du compteur? Non, c'est badant. Ah, nous on n'est pas allé par là, nous. Ici, c'est là où t'étais. Non, mais là par là-bas. Là-bas, c'est fermé, c'est on retourne pour la pièce où t'étais le début. Mais là, en rentrant, il y a d'autres. Excuse-moi. Ah, là, t'as pas de Putain, c'est vraiment surprenant. Tu vas tout seul là la nuit. Oh. Tu t'occupes de là-bas en premier, moi je m'occupe de là. Ouais, vas-y. Comme ouais, ça, on s'évite de tout ça. Ouais. Non, j'ai un bateau. Parce que là, il y a quand même beaucoup d'éclairage. Hein. Excuse-moi. Ah oui. Là, on se trouve actuellement dans une maison, juste à côté de la morgue. Enfin, du sas funéraire. Maison, il y a encore tous les objets à l'intérieur. Putain, c'est incroyable, quoi. Il y a le salon, il y a... Oh, mais c'est incroyable. Wow.
Franchement, la cheminée et tout. Tu fais de la mise en scène. C'est abusé quoi, c'est franchement c'est fou. Tu fais du ménage. Mais c'est abusé. C'est abusé, c'est... La cuisine et tout, mais mec. Ça sent bon là. Ah non mais là. Mais elle a abandonné depuis fait longtemps, on est celle-ci. Hein. Oh la vache, le four et tout. Oh la vache les gars. J'ai jamais vu ça. Oh, il y a encore les vêtements, il y a tout, c'est abusé. Ouais. Et les chambres là, la salle de bain. Oh, putain, mais j'ai jamais vu des spots aussi chargés que ça. Hein. Wow. Mec. C'est abusé. Il y a encore des médicaments, il y a des clés. C'est abusé. Franchement. Ah, tu te régales, toi. Hein. Oh, bah là. Il y a le lit, il y a tout. Oh. Durant l'exploration, je n'ai jamais vu de mes propres yeux de tels spots aussi remplis, aussi chargés en histoire et bien évidemment aussi récents en urbex. La première sensation que j'ai eue en voyant les lieux, c'est la première question que je me suis posée, c'est en me disant est-ce que ce lieu a été cambriolé il n'y a pas longtemps, vu l'état des affaires. Nous nous sommes dit, avant de partir de l'exploration, que les gens qui sont vécus dans cette maison sont partis trop vite. Un peu comme l'image de la morgue, de tous ces gens qui sont décédés et partis trop vite. N'hésitez pas à partager la chaîne et à vous abonner pour de prochaines vidéos.